Salut à tous, c'est Under Excel. Aujourd'hui, on se retrouve dans une ambiance assez glauque, je dois bien l'avouer. Je regarde si le logiciel recorde bien. Donc, vous me voyez, j'ai attendu qu'il fasse un peu plus sombre. D'ailleurs, je vais fermer ça parce que comme ça, il fait bien sombre à l'endroit où je suis. Aujourd'hui, on va se retrouver pour un petit jeu indé, mais un jeu d'horreur. Je vais lancer ça sur ma chaîne. Je me suis dit, ouais, pourquoi pas faire un petit peu des jeux d'horreur. Et de toute façon, les gens, ils aiment bien quand les autres, ils se pissent dessus, donc, clairement. Aujourd'hui, on se retrouve sur Colina Legacy. Je vais vous mettre un lien vers GameJolt pour vous pouvoir le télécharger. J'espère que vous m'entendez bien, parce que moi, la musique, elle me pète dans les oreilles, vous imaginez même pas. Je vais même mettre les deux écouteurs, même si j'entends plus trop rien maintenant. J'ai déjà créé un profil, donc on va lancer une partie. Hop, c'est la première fois que je vais jouer. J'ai regardé vite fait les settings, settings. Ouais. Ah non, il parle pas beaucoup de langue. Hein. Ouais, voilà. Donc la vidéo est peut-être un peu sombre, mais ça je sais pas. Ah. Désolé, je deviens complètement sourd avec ça. Je préfère m'entendre parler parce que avec le casque sur les oreilles, je m'entends pas parler. Et merci à la mise à jour Windows, non, mise à jour Java, d'avoir fait participer dans cette vidéo. Donc les vidéos dureront plus ou moins 20 minutes en fonction du temps. Je mettrai peut-être un peu plus de temps, ça je ne sais pas encore de trop. Oui, je regarde là parce que en même temps je suis en train de publier une vidéo et je préfère regarder en même temps. Je fais peut-être deux choses en même temps. This experience is a small part of Fina. Ah, donc c'est une alpha. Ça, j'avais pas fait attention. Donc, ça apparemment, c'est notre personnage. Ah, ouais, déjà commencé dans un endroit bien glauque. Personnellement, moi ça me rassure déjà pas. Maman, je vous traduis en même temps, hein, comme ça ça me fait un peu moins de boulot. Presse E. Cannot. Ah, tant qu'on n'a pas de sac à dos, on peut pas interagir. Est-ce qu'on s'est tapé? Non. Ouais, je suis en train de regarder un peu partout pour voir si je sais faire quelque chose. Ah, mais... C'est affreux. Oula. Ah, ça commence déjà bien. Si des petits screamers comme ça me font attraper une crise cardiaque, ça promet. Bon, comme dans n'importe quel jeu d'horreur, on va direct à l'endroit où les bruits font bien peur. Par contre, il y a une tache de sang là derrière. Ah. Ah, d'accord. Ok. Comment on s'en sert? Ok, d'accord. C'est quoi ce bazar là? Ouais, ça, c'est déjà un truc d'esprit, je le sens déjà pas très bien. Alors, hop. Ok, d'accord. Donc, F. Ah, ok. It's locked. T'es fermé. J'ai cru qu'il allait prendre quelque chose. Non, bah je sais pas ce qu'il faut faire en fait. Ah, attendez, il y a un truc là. Non, je peux pas prendre tant qu'il n'y a pas de sac. Et où le trouve... Ouais, et déjà, sa maison, elle est flippante. What? Ça, c'est quoi? Ah, va déjà mieux. J'ai trouvé le sac. Donc, là-dedans, on a nos dossiers. Non, c'est eux, je me trompe. D'après moi, il faut ramasser toutes les lettres qu'on trouve. Par contre, je sais pas pourquoi, mais ça m'inspire pas vraiment confiance de rester ici. Hein. Je sais pas vous, mais... Je sais pas ce que c'est que ce bazar.
Et en plus, ça me parle. Ouais, bon. Cul. Ah ouais, maintenant je vois que dalle. Génial. Moi, je me réveille comme ça pendant la nuit. Ça le fait pas, hein, les gars. Oh, elle est ghetto sa maison en fait. Ouais, je suis pas rassuré de l'ambiance. Ça, je vous le dis déjà. Et quand je dis pas rassuré, c'est vraiment pas rassuré. Bon, pour l'instant, il n'y a trop rien qui se passe, à part des bruits horribles dans mon casque. Vous avez même pas... photo. Bon, on va aller par là, hein. On n'a pas encore été exploré par là. Mom? Oh, il y a déjà des bruits de femmes qui pleurent. Il y a un mannequin là, franchement, ça c'est le truc qui me rassure vraiment. Il se locked. Il bouge pas lui, ça va. Bon, Mom, je sais pas où elle est. J'ai envie de rester avec vous un maximum. Comme ça, si je me chie dessus, ben voilà quoi. Vous le verrez. J'ai pas envie d'ellipser. L'ambiance est vraiment glauque, hein, les gars. Ah ben voilà, j'ai trouvé. Il fallait appuyer sur ce bazar-là. Pendant que je me cure le nez, je suis hyper malade. Génial. J'ai montré ça en vidéo, je vais essayer de me flouter à ce moment-là. Ce bazar-là, il n'y a pas pris vie, hein. J'espère. What? Que se passe-t-il? Oh non! What? Waouh! Ça attaque en plus! Ah! On sait pas sauter, on sait rien faire. Ah! Il est là, il est là! Ah! Comment on fait pour le s'en débarrasser? Ah! Pitié! Je sais pas ce qu'il faut faire, je sais pas ce qu'il faut faire. Maman, si tu veux que je nettoie la vaisselle, je nettoierai la vaisselle. C'est vrai qu'il y avait ce bazar-là aussi, j'avais oublié. Fils de pute, dégage! C'est bon, j'ai trouvé! Faut lui faire mal comme ça! Bon, ben, c'est déjà bien. Je vais peut-être ellipser un petit peu là. Parce que. Voilà. Et re tout le monde, donc, on se retrouve le lendemain. Malheureusement, il fait jour parce que ce soir, ben, j'aurais juste pas le temps de record. Donc, on s'était laissé sur, sur ma mort, tout simplement. On peut pas dire autre chose. J'étais juste mort comme une vieille clette. Donc, ouais, ça, je pense qu'on a déjà eu. Ah, je pense qu'il va nous faire recommencer depuis le début. Bon, on continue. Ça, c'est bon. Ah oui, donc on a débloqué ça. Et après j'avais réfléchi justement, ouais c'est vrai que c'est QWERTY. Au lieu d'aller direct sur le mannequin, qui est pas vivant, ça va, parfait. Il y a exactement le même logo ici. Et je me suis dit que j'étais un gros nul parce que ben voilà. Hop. Et normalement on sait ouvrir. C'est ce que je disais, j'étais un gros nul. Il fallait pas ouvrir l'autre. Il fallait ouvrir ici. On a encore trouvé une note. Je pense que le but c'est ramasser toutes les notes qu'on peut trouver. Enfin, perso, ça me rassure pas, sachant qu'il y a juste le mannequin en dessous. Et là, c'est plus le même logo. D'accord.
Ouais, j'ai la flemme de lire tout ça. Normalement, on a accès à l'inventaire. Ouais, donc on a la Hold Amulette qui permet de sélectionner un sort, mais pour l'instant, j'ai que ce sort-là en fait. Est-ce qu'il faut vraiment faire quelque chose avec l'eau de mannequin en dessous ou... Je sais pas. Sans doute quelque chose à faire par ici, hein. Donc lui, il est là. Libri, là. Vous avez vu ça? Ça, c'est sombre, sûrement, pour vous. Déjà, pour moi, c'est sombre, alors pour vous... Ouais, attendez. Non. Je m'emmène les touches ici. Ça n'a rien à voir avec la tache de sang? Non. Je pense qu'il faut se faire le mannequin pour pouvoir le tuer ou autre chose. Attendez. Il doit y avoir une histoire dans ce genre-là. Mom? Maman? Il y a une note là. Bon, avant d'aller récupérer le mannequin, il me semble qu'on avait laissé les notes par ici. Non? What? C'était pas là tout à l'heure? Enfin, il me semble. Bien, c'était pas comme ça, je sais plus. Bon, ben, je pense qu'il faut vraiment se faire le mannequin là. Perso, moi, il me fait blinder flipper quoi. Bon, maintenant il m'aura plus quoi, parce que je sais comment il faut le battre, mais. Et là, le mannequin se réveille. Putain, moi, il me fait toujours autant flipper quoi, ce mannequin. Laissez tomber. Ah. Non, retourne-toi direct. Non! Ah, c'est stressant. Allez, dégage. The fuck. Bon, ben, je vais essayer de trouver une solution, parce que là, ça me perturbe, plus que je vois que dalle, pour que vous voyez un minimum quelque chose, quoi, mais... Faut-il se cacher? Putain, c'était quoi ce bruit? Ça vient de là? Perso, je sais pas. Totalement perdu là. Allez, cacher là derrière, ça c'est sûr. Mais bon, je fais une ellipse le temps de trouver ce qu'il faut faire parce que là je suis totalement perdu. Bah, en fait, j'ai trouvé ce qu'il fallait faire. Il fallait juste le buter le mannequin. J'avais utilisé un bug, je lui ai laté la gueule depuis le haut des escaliers et voilà. Littéralement, c'est ce qui s'est passé. Donc techniquement, si on va là, toujours pas. Ah non. Là, c'est toujours bloqué. Là aussi. Bien un endroit que ça a dû se débloquer, je sais pas moi. Attendez, c'est chelou comme jeu quand même. Déjà que ça met en jeu des putains de mannequins alors que je déteste ça. Y a un truc qu'on n'a pas ramassé ou ça se passe comment? Est-ce qu'en haut il n'y avait pas encore une pièce ou je sais pas quoi qui était restée fermée?
Ah, ça c'est plutôt pas mal. Trouver des batteries, c'est plutôt pas mal. Bon, on a déjà ça. Revenir ici. Non, toujours pas. Il y a forcément quelque chose à faire quelque part. Ah. Il faut trouver un code. Ah ouais, d'accord. Ah, c'est pas un petit code en plus, hein. Et il doit bien être noté quelque part ce code. Attendez. Trois lettres mises comme ça doit être noté quelque part. Bon, je crois que je vais encore ellipser le temps de trouver les lettres, parce qu'ici ça m'étonnerait qu'on ait encore quelque chose d'intéressant entre deux. Peut-être dans l'autre pièce. Attendez. Putain, ça me rassure pas, en plus cette porte qui se ferme toute seule. Ah, c'est horrible. Non, ça fonctionne toujours pas parce qu'on n'a pas le bon. Et dans les notes qu'on a pris, parce qu'on lit jamais rien. Happy birthday. On sait rien lire, attendez. Je suis sûr que c'est dans un de ces papiers. Toujours pas. Ah, attendez. Quelque chose entouré ici. Il y a rien qui ressemble à un code. Ne jamais oublier le passé. C'est déjà glauque, hein, chez lui. Bon, c'est forcément quelque part. Un endroit qu'on n'a pas encore vu. Non. Bon, je propose que sur cette intrigue on se laisse parce que moi ça me rassure vraiment pas. Bon, je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de cet épisode. Salut tout le monde!